私は全てを超越する。Ça y est, après maintes réclamations de la fanbase auprès de K-Lab, les attentes des fans ont été enfin exaucées. Pas d'Ichigo et encore moins de Grimmjow pour les 6 ans de Bleach Brave Souls, mais bel et bien Sosuke Aizen Ogyoku Final Form achevé que les développeurs nous ont proposé pour le 6e anniversaire de la licence. Je rappelle que Bleach Brave Souls est un jeu mobile avec un système de personnages chibi avec plusieurs modes de jeu. Un mode arène, raid en équipe et même mode histoire exclusif avec les romans Bleach qui à ce jour n'ont jamais été traduits officiellement en France par les éditeurs de la licence. Le jeu a pour habitude de créer des designs originaux pour les personnages de l'œuvre de Kubo Sensei, un peu comme ce que peut proposer Dragon Ball Heroes et Fusion. Les plus populaires à ce jour sont les Resurrection, Segunda et Tapa de tous les Espadas dont on avait déjà traité un bon moment sur la chaîne. Mais pour la vidéo du jour, revenons à Sosuke Aizen et sa nouvelle forme inédite, mais pas canonique, je le rappelle, Aizen Ogyoku Soul King Form. Et oui, Soul King, roi des esprits, vous allez comprendre très rapidement. Mais avant d'analyser tout ceci, il faut absolument qu'on s'enjaille tous sur... Cette forme d'Aizen est ultime, dans le sens où il ne pourrait évoluer après cette dernière. Il a pris l'apparence du Soul King, et vu que le roi des esprits est l'entité la plus puissante qui soit dans le lore de Bleach, il est l'équilibre, la progression et la régression, il régit sur toute forme de vie. Omniscient, omnipotent, il n'aurait besoin d'une forme supérieure à celle-ci, vu que comme ceci, il est considéré enfin comme étant l'être suprême. Au niveau de la forme du design, grâce aux ailes que Sosuke dispose sur le dos, on constate que cette transformation succède la cinquième dont il avait fait part contre Ichigo à la fin de l'arc Arrancar. Cela lui permettra sans doute d'utiliser la technique la plus puissante à ce jour en cinquième forme, la technique Fragor. On décèle au centre de sa poitrine le Ogyoku en aide de 4 petits cristaux placés aux points cardinaux de la sphère. La présence du troisième œil de Sosuke est de nouveau apparente. Œil qui a une signification beaucoup plus importante, prestigieuse, qu'un simple ajout de design dans la mythologie bouddhique. Au niveau des avant-bras, on peut constater l'ajout de protège-manches assez apparent et ce choix artistique n'est pas anodin. En effet, si vous avez lu la trilogie de romans Can't Find Your Own World, vous savez que le roi des esprits s'était fait démembrer par les familles nobles il y a de ça plusieurs milliers d'années avant la création même de Soul Society. Du coup, ce choix visuel permet d'atténuer le choc optique du spectateur, surtout s'il n'est pas au courant de ces informations. Démembré des bras et des jambes, les cuisses à coup sûr en tout cas, c'est pour ceci également qu'il porte une sorte de longue tenue noire recouvrant cette partie inférieure du personnage, sinon il faut l'avouer, esthétiquement, cela serait beaucoup moins impressionnant. Déjà que cette forme a déjà eu droit à des comparaisons des surnoms peu recommandables, la Remade Form hein, par exemple, Kubo Sensei a fait un travail visuel ingénieux et très cohérent vis-à-vis de l'œuvre initiale. Au niveau de Kyoga Sugetsu, on savait déjà qu'Aizen avait fusionné avec l'arme à partir de sa quatrième fusion avec le Ogyoku, et dans la description BBS, on voit que c'est le Zanpakuto qui a fusionné avec la puissance originelle du Ogyoku. De ce fait, il peut illusionner ses opposants avec un simple regard, comme il l'a déjà fait avec Yua lors de la guerre finale. Et au niveau de la forme, un peu comme Mugetsu où Ichigo devint lui-même Getsuga, Aizen n'a pas besoin de la forme physique du sabre de Kyoga Suigetsu pour le faire fonctionner et utiliser son pouvoir. En ce qui s'agit des pouvoirs, il possède toutes les propriétés de Aizen 5ème forme, ainsi que le Aizen qui a fait front contre Yua à l'arc final. Les notions de Shunpo, Kido, bon, je pense que le Hakuda et le Zanjutsu sont obsolètes ici, mais c'est encore plus grand que face à son affrontement contre Mugetsu, donc rendez-vous compte de la monstruosité atroce du bail. Ses attaques de base dans le jeu sont des vagues de Reatsu comparables aux rayons d'énergie qu'une multitude de personnages dans la saga peuvent déployer, en plus dévastateur pour Aizen, hein, cela va de soi. Au niveau des techniques visibles dans le jeu, son moveset lui permet d'invoquer un vortex faisant surgir des mains aspirant et détruisant tout sur leur chemin, technique me faisant beaucoup penser
au bras droit du roi des esprits Mimihagi que détenait Kitake en lui. Il dispose également d'un rayon d'énergie faisant apparaître après coup une sorte de trinité de miroir, des restes d'éléments spirituels après l'attaque, donnant un aspect visuel vraiment bien réalisé pour le coup. Et la Strong Attack 3 est une sorte d'élévation du personnage où il semble laisser exploser une partie de son Reiatsu pour réduire à néant tout individu n'ayant déjà pas succombé auparavant par sa présence étouffante. Son Ugi intitulé Mugen Kuzureka, où il enferme dans le creux de sa main l'espoir de sa cible, consiste en une illusion générant des blessures, des douleurs continues, vu le nom de l'attaque. Mugen égale infini. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette courte vidéo Aizen 6ème forme anniversary du jeu mobile Bleach Brave Souls. D'autres petits points qu'on peut appuyer avant de finir sur cette vidéo, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, où Ichigo se transformait lui-même en Getsuga Tensho, Aizen se transforme lui-même en Kyuga Suigetsu, on peut dire, et franchement, j'ai beaucoup aimé cette similarité entre les deux formes, et je trouve ça vraiment incroyable. Une question qui pourrait ressurgir est, est-ce qu'il est plus fort que Yua de l'arc final Guerre Millénaire Sanglante? Et la question a le mérite d'être posée, parce que les deux personnages ont des avantages personnels à leur actif. Donc Aizen, avec le Ogyoku, peut se régénérer à l'infini, bon, il y a un certain délai d'activation, mais tout de même, Yua possède tous les shrifts. Bon, Aizen est logiquement censé posséder des pouvoirs Quincy, hein, vu que le roi des esprits possède des pouvoirs Quincy en lui. Après, il n'a jamais donné de shrift. Donc, comment ferait-il pour avoir des shrifts qu'il n'a jamais donné, en fait? La question a le mérite d'être posée et très intéressante. Si vous avez des suggestions, une réponse à cette question, n'hésitez pas, l'espace commentaire sert à ça. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette forme, c'est que c'est cette forme qu'Aizen aurait pu prendre contre Ichigo si Urahara ne serait pas intervenu pour placer le sceau qui a scellé Sosuke. Donc même si elle n'est pas canonique à l'œuvre de base, je la trouve vraiment bien ingénieuse dans l'idée, dans la réalisation, surtout que le roi des esprits, il était déjà démembré à ce moment-là de l'histoire. Donc voilà. Petit point annexe à cette vidéo. Et j'ai enfin acheté l'artbook Bleach Brave Souls pour les 6 ans de la saga, et je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait un petit top 10 des meilleures créations, réalisations que Calab ainsi que Kubo Sensei nous ont offert pendant ces 6 dernières années. Donc la vidéo, elle n'aura pas lieu avant décembre, vu que le livre, il arrivera en France et même au Japon début décembre. Mais si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Donc voilà, c'est tout. Le concours se fera sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux de l'amour, Twitter, Instagram. Et je vous dis à très bientôt, à ce week-end, pour une vidéo assez spéciale sur un personnage assez peu médiatisé, comme d'habitude, dans la saga. Merci à tous, et sur ce, Tojite. Suzumushi.